Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Salut les terriens, bienvenue sur la chaîne, je suis Quentin et sur cette vidéo on va voir ensemble ce qui s'est passé cette semaine au-dessus de nos têtes. Mais avant d'attaquer l'actu, aujourd'hui je voulais remercier le sponsor de cette vidéo, Surfshark VPN, qui soutient le journal de l'espace depuis 2 ans maintenant. Un VPN, si vous l'ignoriez, c'est un outil informatique qui a plusieurs fonctions et qui vous permet notamment de modifier votre adresse IP en faisant croire que vous vous connectez depuis un autre pays que celui dans lequel vous vous trouvez réellement. Alors à quoi ça sert? Eh bien je vais vous donner 2 exemples. Le premier, imaginez que vous souhaitiez réserver un billet d'avion ou un hôtel, et bien le fait de passer par un VPN comme Surfshark, ça peut vous permettre d'obtenir un meilleur tarif qui varie en fonction du pays depuis lequel vous commandez. Et oui, c'est toujours bon à savoir. Deuxième exemple, Surfshark VPN vous permet aussi d'accéder à tous les contenus internet disponibles dans n'importe quel pays dans le monde sans être bloqué par votre localisation. Ici, par exemple, avec les plateformes de streaming comme Amazon Prime ou Netflix, eh bien vous pouvez regarder tous les films et les séries qui sont disponibles aux États-Unis ou au Canada, comme sur cet exemple, et pas chez vous, d'un simple clic, en faisant croire que vous vous connectez depuis là-bas. Pour les accros aux séries, c'est toujours top. Avec le code ESPACE, vous pouvez bénéficier d'une offre exclusive Surfshark de 3 mois supplémentaires gratuits. Le lien pour en profiter est dans la description. Et encore une fois, je voulais dire un grand merci à Surfshark de soutenir l'émission. Allez les terriens, on passe à l'actu. Je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Dans l'actu cette semaine, un crypto-milliardaire veut lancer la première station spatiale commerciale avec SpaceX. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, la fin de la station spatiale internationale approche à grands pas puisque sa destruction est prévue pour 2030. Symbole de la coopération internationale des années 90 et 2000, aucun nouveau projet de station orbitale terrestre n'est prévu par les grandes nations spatiales et les budgets sont désormais monopolisés par la nouvelle conquête lunaire via le programme Artemis. Officiellement, on sait que la NASA souhaite confier au secteur privé la conception de stations de nouvelle génération, quitte à les financer, en espérant qu'une ou deux soient viables pour plus ou moins remplacer l'ISS. La voie est donc libre pour de nombreuses sociétés qui ne se privent pas de lancer de nouveaux projets, certes moins ambitieux que l'ISS, mais tout de même prometteurs. En Europe, on s'active aussi, Airbus a récemment présenté son vaste habitat spatial baptisé Loop, équipé d'une zone à gravité contrôlée, et du côté américain, on ne joue pas vraiment dans la même cour puisque ce sont 3 concurrents qui sont dans la course. Le premier, c'est Axiom Space, la société la plus expérimentée, qui elle envoie des touristes à bord de l'ISS avec la capsule Crew Dragon de SpaceX, son projet de module devrait être prêt en 2025, et un autre s'ajoutera en 2026. Axiom Space a d'ailleurs toute la confiance de la NASA puisque c'est également elle qui conçoit les scaphandres du programme Artemis. Le second, c'est une filiale de l'équipementier géant Sierra Nevada, que l'on connaît sous le nom de Sierra Space. Elle s'est associée avec Blue Origin, et bien que la New Glenn de Jeff Bezos soit encore loin d'être opérationnelle, un lancement est tout de même annoncé pour 2027. Bon, l'avenir nous dira si après le calendrier muskien, on aura droit aussi au calendrier bezosien. C'est par contre le 3e concurrent qui nous intéresse, puisqu'on vient d'en entendre parler de manière assez spectaculaire. Cette start-up, appelée Vast, vient d'annoncer l'envoi d'un module habité, et le tout en collaboration avec SpaceX. Voilà qui donne du crédit au projet, et si la date annoncée de 2025 est bien respectée, ça ne sera ni plus ni moins que la première station privée à mettre en orbite une mini-station spatiale. Si tout se passe bien, il est déjà prévu que d'autres éléments puissent se connecter pour créer une structure beaucoup plus grande, mais j'y reviens juste après. Alors, qui se cache derrière Vast? Cette société a été fondée l'année dernière seulement par le milliardaire Jed McCaleb, qui doit sa fortune au développement de la blockchain et de la crypto-monnaie. Elle développe en ce moment une petite station de taille modeste nommée Haven One, même si quand je dis modeste, je parle tout de même d'un module de 10 mètres de long sur 4 mètres de large, c'est loin d'être ridicule. À l'intérieur, 4 personnes pourront y vivre pendant 30 jours, et grâce à un système d'amarrage adapté au Crew Dragon, ils pourront faire la navette avec la Terre de manière régulière. Au final, vous allez voir que cette société voit très grand quand même et prévoit de construire un complexe orbital d'environ 100 mètres de long qui aura une particularité extrêmement intéressante, une gravité artificielle. Et oui, enfin un système de gravité artificielle dont on entend parler depuis des décennies sans jamais en avoir vu aucun en fonctionnement. Un tel équipement aura l'immense avantage de réduire les effets secondaires de la microgravité sur le corps des astronautes et surtout ce sera un extraordinaire banc d'essai grandeur nature pour de futures missions vers Mars. Airbus, comme je le disais, a également prévu une sorte de gravité artificielle dans son module Loop, et il y a de grandes chances que cela devienne un standard pour l'avenir, le corps humain étant bien incapable de supporter la microgravité sur de longs mois dans l'espace.
Bon, il reste quand même un inconvénient de taille, la raison pour laquelle d'ailleurs un tel équipement n'a jamais été envoyé dans l'espace, c'est sa masse et son encombrement. Il faut en effet une fusée suffisamment puissante et volumineuse, et devinez quoi, la seule qui pourrait le faire, eh bien c'est le Starship de SpaceX. Grosse pression donc sur les épaules d'Elon pour réussir le deuxième tir de son monstre d'acier dans les mois qui viennent, et comme quoi, comme on en parlait il y a quelques semaines dans le journal de la Starbase, un nouveau marché pourrait bien se développer autour de cette fusée Starship. Depuis les débuts de la conquête spatiale, l'homme n'a envoyé que des robots sur les autres planètes du système solaire. Je ne parle donc bien évidemment pas de la Lune, qui n'est pas une planète, ça vous le savez. Le dernier envoi en date étant le rover Zhurong, qu'on prononce Zhujun en chinois, et le rover Perseverance, accompagné de son acolyte volant Ingenuity. Bien adaptés à leur environnement, ces robustes robots peuvent parcourir de grandes distances, mais sont limités dans leurs déplacements. Ils ne peuvent en effet pas se faufiler partout, et c'est d'ailleurs un problème car de nombreux trésors scientifiques se cachent certainement dans des endroits inaccessibles, comme par exemple les grottes qui sont à l'abri des dangereux rayonnements cosmiques. Encore une fois, c'est la nature elle-même qui a inspiré les ingénieurs du fameux Jet Propulsion Laboratory, vous savez, les inventeurs de tous les rovers martiens de la NASA depuis plus de 30 ans. Pour eux, l'animal le plus agile et le plus facile à recréer serait le serpent. Les progrès de la robotique ont permis de concevoir ILS, un serpent cybernétique parfaitement adapté à l'exploration planétaire lointaine, et pas seulement Mars ou la Lune, mais aussi des satellites de Saturne comme Encelade ou Titan par exemple. Mais bon, avant de rêver à des missions interplanétaires, il faut d'abord tester cette machine sur Terre, et c'est dans les glaciers et les déserts de sable que les équipes du JPL ont amené leur petit dernier pour évaluer ses capacités à se déplacer et se débrouiller seul dans les pires situations possibles. Parce que oui, une fois arrivé sur Encelade, à des millions de kilomètres de la Terre, il ne sera bien sûr pas possible d'appeler le garagiste du coin. Au niveau de ses capacités, le robot serpent ILS sera capable de filmer, mais aussi de créer une carte 3D de son environnement, et avec sa forme spéciale, il pourrait aller là où d'autres robots ne peuvent accéder. Bon, aujourd'hui, le serpent est encore piloté à distance par l'homme, mais le problème, c'est justement l'énorme distance qui nous sépare de Saturne et d'Encelade, et qui rendra cette possibilité ingérable puisque les signaux radio mettront en moyenne une heure à nous parvenir, ce qui veut dire que nous recevrons les images envoyées par ILS avec une heure de délai, et avec une telle latence, on ne peut bien sûr absolument pas imaginer le piloter à distance. De ce fait, la NASA compte bien le rendre autonome et intelligent, et c'est là que l'intelligence artificielle dont on parle tant en ce moment va devenir cruciale. C'est aussi la très grande difficulté du projet, et Rowan Taker, le responsable de l'automatisation du robot, donne un exemple frappant. Pour lui, cela revient à concevoir une voiture autonome qui n'aurait aucun panneau ni route pour se guider, et qui serait capable de descendre une pente de 30 mètres sans avoir d'accident. Dit comme ça, on se rend compte que c'est un peu compliqué quand même quand on voit les difficultés des constructeurs automobiles à mettre au point un système de conduite autonome terrestre fiable. Bon, personnellement, je n'ai aucun doute sur la capacité du JPL à réussir ce pari qui, s'il arrive à terme, pourrait également bénéficier à pas mal d'applications terrestres comme ça a souvent été le cas par le passé. Il y a par contre encore beaucoup de chemin à parcourir avec ILS avant de l'envoyer vers Encelade, et le trajet lui-même, d'une bonne dizaine d'années, sera aussi à prendre en compte. On aura donc encore largement le temps d'en reparler plus tard dans le journal de l'espace. Cette semaine, j'avais aussi une très bonne nouvelle à vous annoncer, puisqu'après 3 semaines d'efforts soutenus, l'antenne RIME de la mission JUICE s'est enfin déployée. Les scientifiques ont réussi à secouer un peu la sonde pour débloquer le mât de son support. Encore un exemple inspirant de l'ingéniosité nécessaire dans le spatial. Il nous reste donc maintenant à souhaiter un bon voyage à JUICE jusqu'aux lunes glacées de Jupiter. Cette semaine, on a aussi appris que c'était la première fois depuis que le rover Perseverance a déposé Ingenuity au sol il y a 2 ans que les deux engins se retrouvaient physiquement aussi proches l'un de l'autre. Dans son tweet partageant la nouvelle, la NASA constate que son hélicoptère semble bien résister au rude environnement martien, et tout ça grâce à Perseverance qui a réussi à le filmer d'assez près. Il y a quelques jours, le rover s'est approché à seulement 23 mètres de l'hélicoptère dont il a pris une photo bien détaillée qui montre notamment la présence de poussière qui s'est accumulée au fil des décollages et atterrissages sur les hélices et le panneau solaire. En tout cas, après plus de 50 vols effectués dans le ciel martien, le petit engin montre une insolente santé qui fait la fierté des équipes du Jet Propulsion Laboratory. Lundi dernier, dans l'actu, on a aussi eu United Launch Alliance qui a mené avec succès un nouveau test de compte à rebours avec remplissage des réservoirs de l'étage Centaur. Le prochain devrait se poursuivre jusqu'à l'allumage des deux moteurs BE-4 fabriqués par Blue Origin, et c'est une étape indispensable avant le vol inaugural de la fusée Vulcan, prévu en juin ou juillet prochain. «
La mission Artemis 2 avance à grands pas, le module de service poursuit ses tests au centre spatial Kennedy. On le voit ici effectuer des essais acoustiques qui permettent de recréer les ondes sonores du décollage de la fusée SLS pour analyser ses réactions. Ici aussi, c'est une étape très importante pour valider le module avant son assemblage avec la capsule Orion. Après avoir analysé son étage B1060 suite à ses 15 vols successifs, SpaceX confirme finalement que les boosters de Falcon 9 sont certifiés pour voler jusqu'à 20 fois. Pour l'instant, ces étages sont toujours réutilisés uniquement pour l'envoi de satellites Starlink, mais plus tard, à force de montrer leur fiabilité, il n'est pas impossible que la NASA accepte de les utiliser pour des vols commerciaux. SpaceX dépasse donc ses prévisions avec son lanceur Falcon 9, conçu initialement pour ne voler que 10 fois. La précision des observations astronomiques ne cesse de nous épater, la dernière en date, c'est la découverte de 62 nouvelles lunes autour de Saturne. Oui, vous avez bien entendu, 62, ce qui porte le nombre total de lunes à 145, rien que ça. Leur présence a été validée par le fameux Minor Planet Center, ou MPC, l'organisme qui tient les catalogues astronomiques à jour en fonction des diverses publications. Cette nouvelle découverte, on la doit à une équipe internationale menée par le chercheur Edward Ashton et ses collègues grâce au puissant observatoire Canada-France-Hawaï situé à 4200 mètres d'altitude. Il aura fallu tout de même 2 ans de travail à ces scientifiques pour trouver ces petites lunes, dont certaines ne dépassent pas 1 km de diamètre, et il semblerait qu'il en reste encore pas mal à découvrir. Pour info, il est encore très difficile de repérer ces petites lunes étant donné le nombre très important d'astéroïdes qui naviguent à proximité de Saturne. Mardi dernier, on a aussi appris que Juno, la sonde de la NASA, est passée au plus près de Io, l'une des lunes glacées de Jupiter. Elle nous a envoyé pour l'occasion le cliché le plus rapproché jamais pris par une sonde, puisque le petit vaisseau a frôlé Io à environ 33 000 km d'altitude. D'autres images encore plus détaillées devraient nous parvenir dans quelques jours, en tout cas nous, au Journal de l'Espace, on adore. À Toulouse, le CNES et son partenaire industriel Emeria Airship développent un ballon manœuvrant baptisé Bollmann. Les ballons stratosphériques existants, qu'ils soient ou non pressurisés, sont dépendants des vents pour leur mouvement, mais ce nouveau type de ballon aura la capacité de rester au-dessus d'une zone géographique déterminée à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, bien plus longtemps que peut le faire un ballon dérivant, un avion ou même un drone. La première campagne de vol doit se faire dès 2025, voire 2026, pour ce futur ballon manœuvrant qui pourrait intéresser les marchés de la défense et de la surveillance, de la météorologie et de l'observation de la Terre. Bon, et juste pour le petit point culture générale, bien sûr, ces ballons ne peuvent pas monter jusque l'espace, puisqu'ils s'appuient sur l'air environnant pour atteindre au mieux 40 km d'altitude, tandis que la limite de l'espace se situe à 100 km, la fameuse ligne de Kármán. Voilà une découverte qui pourrait révolutionner la conquête lunaire. Une petite équipe de chercheurs vient de découvrir qu'il était possible d'extraire de l'eau en exposant de simples échantillons de régolithes lunaires à une faible puissance de micro-ondes. Pour ceux que ça intéresse, les détails de l'étude sont publiés dans la revue Acta Astronautica. Ici, rien de bien compliqué puisque ces échantillons ont été placés dans une chambre simulant les conditions de pression et de température de la surface lunaire pour être finalement chauffés pendant 25 minutes avec des micro-ondes de 250 watts, c'est-à-dire même moins puissant que le micro-ondes que vous avez dans votre cuisine. Résultat des courses, les chercheurs ont pu extraire en moyenne plus de 50% de l'eau présente dans les échantillons. Comme vous pouvez le constater, ces résultats encourageants pourraient permettre aux astronautes d'extraire l'eau lunaire à l'aide d'appareils relativement peu gourmands en électricité et surtout technologiquement simples. Les terriens, merci d'avoir suivi l'actualité spatiale avec le Journal de l'Espace. J'espère que vous aurez encore une fois appris plein de nouvelles choses. Et je voulais dire aussi merci au sponsor Surfshark de soutenir l'émission. Vous retrouverez tous les détails de leur offre en description de vidéo. Merci les terriens de penser au pouce de YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les terriens.